c'est comme ça. Tout est fermé? Rêve? Ah, je peux peut-être sauter. Il y a moyen de monter les escaliers ici? Pas du tout. Je vis bien. Ah, mais il y a une échelle là. Je peux sauter comme ça. Ah oui. Ah non. Le mec, vraiment. Y aurait-il moquerie? Quoi? Bien sûr que si, tu peux passer, mec. Oh, faut que je tire dessus. Ok. Très bien. Pas de béton. Escalier de secours. Alors. En bas. Il reste plus grand chose. Ça a été complètement dévalisé. Sauf le couteau que l'on recherche. Probablement. Oui. Le couteau d'amputation. Ça y est. Il faut que je le ramène à Adi. Bon, où est la moto? La moto est là-bas. Go! On se casse. Je vais pas aller combattre à d'ours pour les beaux yeux du monde, hein, clairement. Par contre, je peux prendre un peu de... d'essence. C'est gratuit. Hop là. Manquait pas grand chose, mais c'est toujours un peu de crédit de sauver. Ensuite, hop, ici. Voyage rapide ici. Très bien. Et surtout, on s'est débloqué le voyage rapide entre la zone du sud et la zone du nord. Alors, il va nous falloir un sacré réservoir par contre pour aller de ce camp-là au camp de Tucker. Il faudra peut-être qu'on fasse aux pauses à chaque fois au camp de l'autre parano là. Et ça va coûter un peu cher. Mais bon. De base, ça devrait nous permettre de gagner quand même un petit peu de temps. Et après, il me faut un peu de thune et on pourra améliorer la moto. Merci, Deacon. T'imagines pas à quel point on en a besoin. Hey, y a quelqu'un. Hey, faites-moi entrer. Ouvrez la porte, c'est un drifter. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un drifter, c'est mon métier. Oh, hey. Salut. Hello. Hop, hop. Mission max. Chargé. Ouais. 100 balles? Ouais, okay. Bon, cher. Voilà, les frames. À plus. Ça me font très mal. Extrêmement mal. J'espère qu'on va gagner un peu de thunes en ramenant son petit couteau là. Salut. Oh. Tiens, voilà le couteau que tu m'as demandé. Super, merci. Pas de soucis. Ce sera tout. 40 X, 4000 plutôt XP. On est toujours à 250 crédits, hein, mais on a gagné 300 points de confiance. La main à la pâte, si je travaille assez pour le camp, ils accepteront de laisser Boozer rester. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça les sauve à la recherche de Lisa. Oh! Très bien. Un truc au mémorial, hein, à tout hasard. Il y a des trucs d'histoire du coup, pas loin ici. À côté de ça, on a des jobs. Ce côté-là.
Et on a beaucoup de nouveaux scénarios, hein, mine de rien. Ah, mais on en a terminé certains. Virée imminente, on l'a terminé. Alors que la virée n'est plus du tout imminente, hein, soit dit en passant, mais bon. La recharge de Léon, on l'a terminé. C'est des sauts, on est à 60%. La main à la patte, donc c'est pour permettre à Boozer de rester dans le camp pour le moment. On est à 13%. Une vieille connaissance, regagner la confiance de Ricky, 17%. C'est tout ce qu'on a. Adi est le seul médecin qu'on ait. Je dois faire tout mon possible pour l'aider. D'accord, 25%. Devoir faire des choses. Regagner les faveurs d'Iron Mike serait une bonne idée, 15%. Question de confiance, surveiller Schizo. D'accord, très bien. Protéger les plus faibles. Prendre les plus faibles, ça passe pas. Ok. Un meurtrier ou pire. Et qu'on paie pour terminer, c'est déjà un homme mort sans le savoir. Exterminateur. Chasseur de camp ennemi. Orbicide. Truc horrible, quoi. Sérieusement, les hordes. C'est horrible. Fin du monde. Chasseur de maraudeurs. On avait un truc aussi sur le monde de Nero, hein. Ouais, tellement qu'ils n'arrivent plus à les afficher. C'est incroyable. Ok. Bon, allons à la moto. Je serais vite faire les trucs de. Même si ça me fait perdre des crédits au final parce que. Je dois bouger. Ah, mais non, je suis à 2259 maintenant en crédit ici. C'est bien, ça a monté. Ouais, faire les jobs, ça vaut le coup finalement. Est-ce que j'ai assez d'essence? Bon, elle est là. Oui. Énorme. Go. Si déjà j'ai débloqué le voyage rapide, autant qu'on puisse choisir nos quêtes comme on veut. Je suis toujours deg pour le mémorial, sérieux. Parce que ça m'étonnerait qu'ils réapparaissent pour la même scène en mode de, oh tiens, parfois je réapparais. Et là, on n'est plus vraiment dans un tunnel en mode on fait que cette mission-là. Donc là maintenant vu qu'on peut choisir un peu où on va, ça semble étrange que ça réapparaisse pas si c'était censé pouvoir réapparaître. J'ai l'impression que j'ai loupé une scène avec Sarah et vu que c'est mes scènes préférées, je suis un peu triste. Oh mais ils arrêtent pas de se battre, hein. Vous allez ouvrir, oui. On ouvre. Impressionnant. Il est déjà venu, celui-là. Là c'est vrai. Ça va bien, Nick? T'es arrivé de venir de Ça temps en va, temps. ça va, Manny. Qu'est-ce que t'as? Saint John, j'ai du boulot pour toi. Ah. Oh. Tu veux que Manny bricole oh, il ta a voulu moto? me donner le cancer. Alors tu sais ce que t'as à faire. J'ai du mal à respirer. Faut que je te rende service, ouais, j'avais pigé. J'ai besoin que tu t'occupes du camp de maraudeurs, près des cabanes brûlées, le long de l'autoroute des Cascades. Tu vois de quoi je parle? Ouais, je vois. Appelle-moi si tu veux en savoir plus. Ok. Nouveau job. Dick, comment ça va? Alors, on a racheté des munitions. Salut Dick, ça va mon pote? Salut Manny. On va faire le plein. Ouais, toujours à refaire le plein. C'est ça, ouais. Être un drifter. Passe me voir si t'as besoin d'autre chose. Eh, n'hésite pas à revenir me voir. J'aurais peut-être de nouveaux trucs. Et donc, on a ici. J'ai le plus faible, il n'est jamais revenu. Rendez-vous au dernier checkpoint connu. Go. Sympa de te voir, Dick. Ah, merci, merci. Avec ses sympathiques. Ah, d'abord. Ah oui, avant que j'oublie. Bon, il faut que je sois hors de la moto, donc on fera plus tard. Faut que je me reconstruise des molotovs. On a utilisé les. Ouf. Ich. Les trois molotovs que j'avais sur les nids. Il va falloir qu'on se remplisse des petites bouteilles d'explosifs.
où ? Commence à faire nuit, il y a du zombie. Ouais, c'est ça. Alors, je m'en refais deux, comme ça, si jamais je peux en looter un, j'en profite. Pour les alentours. Ah, par ici. Cop, je vais jeter un œil au camp de Drifter près de l'autoroute. T'as plus d'infos ? Pas énorme. Ils ont suivi un de nos ravitaillements. D'un peu trop près. J'ai envoyé un gars voir de quoi y retourner. Il est jamais revenu. T'as envoyé personne à sa recherche ? Si. Un certain Deacon St. John. Terminé. Ça me dit quelque chose, ce nom. Ici, ok. On a quoi ? Et voilà. On commence à entendre des complaintes. Toujours utile. Infiltrez-vous et sauvez l'otage. Oula. Par où je pourrais passer. C'est ça son nom. Vous êtes combien d'habitants? Combien? Non, j'ai pas dit. Non. Des hommes approchent. Faut que je me mette à couvert. À un moment, il faudra bien que tu... Mange ça. Oh, c'est pas passé loin, le gros tir là. Shotgun est passé à 2 cm. Chut, la ferme, je vais te libérer. Quoi? Vous êtes pas... C'est Copland qui m'envoie, allez, debout. Oh, mon Dieu, merci, merci. Allez. Ils nous ont suivis en mission de ravitaillement, je savais pas quoi faire. Hé, hey, tais-toi, tu peux courir. Hein? Ouais, ouais. Alors cours, vas-y. Merci. Sauve-toi. Que vous m'avez sauvé. J'espère bien, oui. Pour cent ici. Cool. Attracteur quantité max, tant mieux. Oh, petit champignon. Oh. Il n'y a plus rien, faut que je retourne au niveau de la moto, faut aller à l'autre camp. J'ai combien de thunes pour ce camp là du coup? Ah, je peux pas voir, faut que je fasse ça. J'ai 1800 balles, je peux améliorer ma moto du coup. Je peux mettre de la nitro par exemple. Il y a du beau brouillard. Hein. Ok. Petit voyage rapide ici pour améliorer la moto. Notamment acheter une nitro avec 1800 balles, on devrait avoir assez pour pouvoir faire le plein et avoir la nitro. Question se pose de savoir si on se fait d'abord le job au niveau du camp de Tucker. Ou si on se tente le centre Nero. Faites-moi entrer. Eh oh, ouvrez. J'ai déjà vu avant. Après tout ce que t'as fait pour le camp, Coupe m'a demandé de trouver des petits trucs sympas. Salut. T'as besoin d'un truc? Alors déjà on va faire le plein. T'as besoin d'un plein? Ensuite. Ça, il faut confiance 3. Nitro, excellent. Excellent choix, mon pote. Excellent. Ça y est, j'ai de la nitro. Ah, j'ai pas assez pour les roues.
Ok, mon pote. Ah, mais je peux filer des oreilles, là. Je vais voir de quoi on peut encore avoir. Hey, Dick, comment ça va? À plus, mon pote. Salut, Damon. Les armes se vendent bien. T'as pas chômé, toi? J'ai que ça aujourd'hui. Dick, comment ça va? Salut, Damon. Quoi de neuf? Super. Voilà. Belle amélioration. Je vais voir si t'as besoin d'autre chose. Repasse me voir quand tu veux. Ok? Hey, Deacon! Salut, Damon. Je peux avoir les munitions ou pas? Ça, excellent, ça coûte 6 balles. Repasse cool. Quand tu veux. N'hésite pas à revenir si t'as besoin. Je suis tenté de faire ça, mais c'est la nuit. Peut-être d'abord. Dormir. Sympa de te voir, Dick. Damon. Oh, je peux récupérer ça? Incroyable. Le zen est l'art de la mécanique. Salut, Dick. Salut. Salut, Manny. Les talons, hein. Bon anniversaire, mon talon. Trop d'informations d'un coup, Manny. Deacon, mon pote. Manny. J'arrive à aller au-dessus. Là. Deacon St. John. Damon, ça va comme tu veux? Bon, je serais quand même beaucoup plus apaisé à l'idée de faire le checkpoint Nero de jour. Je sens que je vais me louper avec la charge de nitro. Parfois, je vais essayer. Ici, je peux dormir apparemment. Où est-ce qu'on dort dans ce camp? Ah, incroyable! Ah, ici. Je vais juste fermer un peu les yeux. Hop là. Comme ça, on fait ça. Ensuite, on fait le checkpoint Nero. Qui, si tout se passe bien, nous permettra de choper une nouvelle seringue. Pour endurance ou concentration, je sais pas encore. Endurance, je pense. Et ensuite, go chez Tucker. C'était où qu'il y avait la... l'escalier qui descend? Ici. Très bien. Alors maintenant, go... Non, pas là. Non. J'avoue que je me contenterai bien d'un ragoût. Enlève ça. Chicken St. John. Salut, Damon. Donc c'est croix pour la nitro, je crois. Alors je suis désolé, c'est pas pour toi. Et merci d'avoir ouvert quand même. J'ai envoyé un faux message. Comment ça va? Ok. C'est ici, c'est pas très loin en plus hein, du campement. C'était quelle touche pour une trop croix hein, je crois. Ouais. Yes. C'était bien croix. Technologie, blabla. Ah oui, c'est pas un vrai checkpoint, quoi. Un autre micro enregistré. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les gars? Ah, si, si, au final. Trop près du camp de copains. Si elle nous sort là-dedans, si. Vous avez eu avec son 30-06? Sérieux?
Comment j'ai pu passer à côté de ça? C'est pas sur notre route. J'en sais rien, j'irai bien vérifier auprès du commandant, mais c'est ce qui est écrit. Fais chier, c'est pas mon itinéraire. Tu m'étonnes, moi non plus. Pas vraiment. Vous, vous changez tout le temps d'itinéraire. Moi, j'ai des arrêts précis à faire. Des échantillons à analyser rapidement. Des pièges à vérifier. Hé, allez dire ça au commandant. C'est pas moi qui fais les emplois du temps et qui choisit les rotations. Mais moi, si. Merci de m'avoir prévenu. Carrément, pas de soucis.